Même si je suis pas encore vraiment un pro en termes de vignettes, je pense que j'ai déjà j'ai trouvé un bon petit template à pouvoir utiliser. Comme vous voyez, j'utilise toujours le même template d'ailleurs sur YouTube pour les vidéos. Et je pense qu'il fonctionne plutôt bien ce template-là. Ok, on a nos combos et on a de quoi backup derrière, hein, donc on est content. Donc let's go pour avancer lourde. Si nous fait H, on fait appeler par la tombe. Si nous fait maxer, on fait H. Enfin, sauf que si nous fait maxer, on pourra pas faire H parce qu'on aura fait appeler par la tombe dessus. On fait appeler par la tombe dessus, hein. On n'a aucune raison de ne pas le faire, étant donné que si il nous fait maxer, il faudra qu'on puisse activer programme urgent pendant son tour et on n'a pas envie qu'il se prenne H aussi. Donc là, on n'a aucune raison de ne pas faire ça. On va voir s'il a maxé, ceci dit, hein, ça va être ici, ça va être le moment clé. Donc on invoque normal, s'il peut répondre sans faire Veiler en permanence, c'est qu'il a maxé. Ah, il y a un maxé qui traîne. C'est dommage ça. On va juste faire un petit Goliath. On sait qu'il a maxé en main. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Il fait maxer, voilà. On va s'arrêter là. On fait pas H. En fait, je voulais m'arrêter là. Parce que je voulais qu'il garde son maxé pour le prochain tour. Pour que moi, je puisse faire H derrière. Parce que là, je peux pas faire H, étant donné que j'ai fait appeler par la tombe. Mais là, étant donné qu'il a craqué son maxé dans le vide, bah, c'est tant mieux. Comme ça, au moins, il l'a déjà cramé. Et c'est parfait. Et du coup, je peux juste m'arrêter là. Et c'est parfait. Alors que si j'avais fait 2 heures avant, il aurait chaîné maxé, il aurait quand même pioché une carte. Là, il perd une carte pour rien. Je ne peux activer, évidemment, je ne peux évidemment pas faire H pendant son tour. Toujours appelé par la tombe. Donc, il va falloir bien jouer avec Grain l'interdit et programme urgent. Ok, Skystriker, on est content du coup que c'est un Skystriker parce que Skystriker ça ne fait pas des one shot. Enfin, normalement, ça peut en faire, mais c'est pas non plus le plus simple du monde. Et j'ai quand même Programme Urgent qui est toujours une bonne carte. Une bonne carte dans tous les cas. Ok, non, évidemment, on ne fait rien. Il chaîne H. Ok, bah évidemment, hein, de toute façon. Skystriker, c'est un match-up un peu plus particulier, je crois. Il faut juste bien jouer autour de ses back-row. Ayaté, Veiler, Anchor et Multiroll. Putain, ça, il a quand même des bonnes cartes. Je sais pas ce qu'il va prendre. Multiroll, il prend Multiroll, ok. Il faudra faire Calice dans tous les cas sur Assaut de l'air parce qu'on n'a pas envie qu'il tape direct. On a envie qu'il gère notre Goliath, comme ça on pourra faire notre programme urgent. Et en plus de ça, on n'a pas envie qu'il fouliche. Donc on va le laisser entrer en Battle Step. On n'a pas envie qu'il fouliche Engage, qu'il fasse Kagari qui récupère Engage, qu'il fasse Shizuku qui récupère une deuxième Engage. Ça pourrait être vite problématique. Multirole, ça me va. Il fait l'effet de multirole? Je suis étonné, mais pourquoi pas? On passe en on. Il faudra sans doute activer quelque chose. Il invoque depuis le deck. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je comprends pas trop ce qu'il veut faire en fait. Je comprends pas trop pourquoi il veut invoquer du deck. Parce que là, du coup, maintenant, je suis plus obligé de faire le play que je voulais dire. Je peux faire directement ça, si je le souhaite. Mais je le souhaite pas forcément. Fan main phase, ok. Battles phase, ok. On va toujours faire Kalis là-dessus, en revanche. Ah, ça, c'est, on a, y a aucune raison de ne pas faire Kalis. Le foolish de magie ici pourrait être vraiment très violent. En fait, il a fait multi-roll juste pour invoquer du deck. C'est un peu étonnant, mais.
Maintenant, la question, c'est de savoir si on fait programme urgent. Je pense que oui. Donc là, on invoque moissonneuse et forteresse. Forteresse va être une excellente carte dans le match-up. Et en plus de ça, bah, ça nous permet de tanker. Enfin, sauf si fait Zeke. Je m'en suis rendu compte que maintenant, mais si fait Zeke, c'est un peu chiant. Mais Zeke, c'est pas encore dramatique. J'aurais peut-être dû faire Super Express. Je ne sais pas. Pas certain, Super Express. Pas certain du Super Express. Parce que si fait Zeke, qui pose une carte, pose deux cartes. Il fait pas Zeke Shizuku? Ce serait étonnant quand même qu'il fasse pas au moins. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au moins faire ça. Il n'y a aucun monde où il fait pas ça, quoi. Jusqu'à la end phase, bannissez-le. Ok, d'accord. Jusqu'à la prochaine end phase de votre adversaire. Donc jusqu'à mon prochain tour. Et en plus, il va revenir avec un effet. Et ça, c'est cool. Parce que là, ses effets étaient annulés par programme urgent. Je sais pas ce qu'il a face cachée, ça peut être problématique. Shizuku, ok. Il va chercher une gauge, je suppose. On fait off, on lui fait pas croire qu'on a H en main. Voilà. Je sais pas ce que c'est les deux faces cachées, ça peut être problématique. J'espère toucher des bonnes cartes. C'est dommage qu'il ait touché deux back-row, en revanche. C'est vraiment dommage qu'il ait vraiment eu touché deux back-row. Il va chercher. Oh, ok, il va chercher un shore. Ah ouais, pour la reposer avec multi-roll. Ouais, d'office. Ouais, d'office. Yes. Ouais, ça va être embêtant la Henshore. En tout cas, on sait que c'est pas des Henshore face cachée, je pense. Ça m'étonnerait que ce soit des Henshore, en tout cas. Avancée lourde. Ok, très bien. C'est plutôt pas mal qu'on ait touché avancée lourde, je pense. Je réfléchis, en fait. Je pense que je dois aller prendre ça. C'est ça ou ça en fait. Je pense que je dois aller chercher ça. Pour pouvoir extend avec moissonneuse dans le cimetière. Donc let's go. S'il a char cannon, je peux pas faire grand chose. Il a pas char cannon. Il a deux spells au cimetière. Hein. Il a deux spells au cimetière, donc il peut pas piquer de monstre pour l'instant avec un short. Let's go. Effet. On va invoquer. Parfait. Effet, on va aller chercher. On va chercher tunnelier. Hein. Tunnelier? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller chercher ces deux-là. On va chercher lui plutôt. Parce que si on fait baliste et qu'il l'annule, on va avoir un problème. J'ai déjà un Goliath au cimetière. Oui. Ok. Donc, let's go. On fait baliste pour aller chercher la boîte. On veut forcer la Henshore. Hein. C'est tout l'idée, c'est forcer Henshore. Hein. S'il a été chercher Henshore au lieu d'aller chercher une gauge, ça veut dire que les deux back row ne sont pas suffisamment puissantes pour lui.
Et surtout s'il activait cette Ensure-là et pas s'il avait une deuxième Ensure, il a réactivé la deuxième Ensure. Parce que là, s'il avait une autre Ensure ici, il aurait eu trois spells au cimetière et du coup la deuxième qu'il a ici, il aurait pu l'activer pour me piquer quelque chose. Ce qu'il a pas fait. Du coup, c'est sans doute des cartes comme à permanence peut-être, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Il l'aurait déjà sans doute fait. Donc là, on invoque Persistent Crash pour invoquer Dozer. Ok, il a activé impermanence. Du coup, maintenant, on peut extend avec Dozer. Donc, c'est parfait. Attention à la colonne ici, du coup. Donc là, on va faire l'effet de Dozer. On va sacrifier Baliste. On va invoquer ici. On fait effet de Dozer. On va invoquer Tunnelier. On va faire une Xyz 5. Voilà. Voilà. Voilà comment on joue autour de Negate. Hein. C'est comme ça qu'on joue autour des Negate. Après, on a quand même plutôt bien pioché avec avancée lourde. Mais soyons clairs, si j'avais pas fait un bon order, on aurait pu se faire interrompre assez méchamment. Et sur end, parfait. On est content, je crois que ça c'est une très très bonne game, très très bon exemple de game contre un Sky Striker ça. Très très bon exemple. Je suis plutôt de la game que je viens de fournir là, en toute honnêteté. Tout ici, toute l'idée ici c'était de réussir à mettre un ouvre-fleuve dont l'effet ne serait pas negate. Tout en faisant du plus en continu en attendant. C'est-à-dire avec Baliste, avec Persistent Crash qui allait se réinvoquer, qui allait réinvoquer Dozer, etc. Donc on a vraiment plutôt bien joué je pense. Sur notre carte face cachée, ça aurait pu être quoi? Peut-être une bluff. Ça m'étonnerait que ce soit Shark Cannon ou Appelé par la Tombe parce qu'il les aurait activés quand j'ai invoqué mon. Comment? Ma moissonneuse. Donc je ne serais pas étonné que sa carte face cachée, ça soit des cartes de bluff. Des cartes de bluff comme je ne sais pas moi. C'est peut-être token. C'était peut-être le token. Sans aucun doute le token. Tout le reste, il aurait pu l'activer ici. Droplet ici, etc. Il les aurait pu activer. Si c'était engage, il l'aurait déjà activé aussi. Pareil pour renfort de l'armée. Pour avoir 3 spells au cimetière. Peut-être une Lightning Storm. Pot de prospérité, il l'aurait activé. Fusion de la destinée, il l'aurait activé. Et manœuvre, il l'aurait sans doute activé aussi. À son propre tour, j'entends évidemment. Donc, j'en déduis que sa carte face cachée, c'était le token.